Salut la Team Body Expert, est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire pleine d'humanisme et de compassion? Ouais, on change de registre. J'ai une cliente qui m'appelle, une touriste, et qui m'explique qu'elle va descendre sur Paris dans un hôtel de luxe et qu'elle souhaiterait faire appel à mes services pour que j'aille la baiser à son hôtel. Voilà. Donc, on fixe un rendez-vous, je me déplace un après-midi à son hôtel, et là je rencontre une jeune femme, type mannequin, brune, ténébreuse, magnifique. Et donc j'entame la conversation avec elle pour faire un petit peu connaissance, mettre l'ambiance, etc. Donc généralement, ce que je demande, c'est voilà, si elle vient sur Paris pour les affaires, pour les vacances, pour voir une amie, etc. Puis elle me dit que non, elle est là pour le décès de son père. Donc tu vois, moi ça me jette un froid, tu vois, je pensais que j'étais là pour baiser et tout, et elle me parle que son père, il vient de mourir. Mais non, elle m'a pas dit que son père, il venait de mourir. C'est moi qui ai interprété ça. Elle m'a dit qu'elle était là pour le décès de son père. Et donc, moi, je lui dis, bon, bah, je savais pas quoi dire, je lui dis toutes mes condoléances. Elle me fait, ah, mais non, il est pas encore mort, il va mourir dans quelques heures. Et là, tu vois, je sais plus quoi dire, toi, je sais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle m'appelle, elle veut baiser, quand son père est au seuil de la mort. Donc, tu vois, moi, à chaque fois que je relance, tu vois, j'ai l'impression que c'est encore pire. Donc, je change de conversation. Alors, je lui dis, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez la prestation, etc. Elle fait ouais, je veux me défouler, etc. Je veux me changer les idées. Je lui demande qu'est-ce qu'elle veut comme prestation, parce que ça va du plus soft au plus hard. Elle me fait oh, moi je veux le plus hard. Je fais d'accord, ok. Bon, je prépare la pièce, je mets de la musique, je prépare tout. Une fois l'installation terminée, je l'emmène vers le lit, je la démonte, je la remonte, je la redémonte. C'est un carnage. Tout l'étage de l'hôtel l'entend crier. C'est ça. Bah, elle voulait du hard, je lui ai donné du hard. Mais, visiblement, j'étais pas encore suffisamment hard pour elle. Pourquoi? Parce qu'à un moment, elle m'a demandé, voilà, de mettre la main en entier dans sa chatte. Elle voulait que je la fiste. Pas de problème, c'est la cliente. Moi, je sais faire. Donc, hop, je commence à la fister. Mais tu vois, moi, j'y vais doucement pour commencer. Elle fait, non, non, tu peux y aller. Vas-y, vas-y. Vas-y, va plus fort. Ok, bon, j'y vais quand même progressif et tout. Elle fait, non, vas-y, va plus vite, va plus fort. Oh, qu'est-ce qui se passe au final? Bon bah qu'est-ce que je fais? Je donne des coups de poing dans sa chatte, voilà. Sa chatte, c'est un sac de frappe. J'ai boxé sa chatte, un truc de ouf. Et elle a kiffé. Bon, pour la petite information, toutes les femmes ne sont pas capables de faire du fist comme ça. Voilà, celles qui sont capables de faire ça, c'est généralement des femmes qui sont habituées à cette pratique. Et d'ailleurs, moi, je le savais en le faisant avec elle, tout simplement parce que au ressenti, je sentais que sa chatte était particulièrement dilatée par rapport aux autres femmes. Donc je sais pertinemment qu'il y a des grandes probabilités pour que ce soit une adepte du fist. Donc voilà, bon, ça c'est confirmé. Bref, je reprends la baise et puis elle me demande aussi de l'insulter. Alors hop, je dis que c'est une chienne de guerre, etc. Bref, elle me regarde avec des yeux qui brillent. L'heure passe, je déclenche l'éjaculation pour terminer la séance et elle, au final, bah, elle est ravie. Voilà, elle a kiffé. Donc elle me donne mon enveloppe avec mon argent. Hop, je prends mes affaires et je repars. Bon, maintenant on va passer à la partie psychologique. Je peux vous dire une chose, je n'ai détecté à aucun moment une once de regret que son père puisse disparaître, de tristesse ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Elle était en mode je m'en bats les couilles à un niveau cosmique. Cosmique, mais alors, tu prends un télescope, tu la vois plus. Voilà, c'est ça. Donc, pourquoi dans ce cas-là, si elle s'en bat les couilles, pourquoi elle est venue de l'étranger à Paris pour voir son père? La raison est très simple. C'est une jeune femme qui est vraiment dans l'opulence financière, qui a l'air d'être très riche. Et je peux vous dire que, à mon avis, elle n'est pas riche par rapport à ses compétences intellectuelles. Elle est riche parce que c'est une richesse de famille. Donc, ce qu'elle est venue faire, elle est venue uniquement s'occuper de l'héritage chez le notaire. Voilà, c'est tout. Elle est venue récupérer la fortune familiale. Donc voilà, elle n'est pas venue voir son père, elle est venue voir un notaire. C'est ça la vérité. Bon, ma vidéo touche à sa fin, donc si vous avez apprécié cette histoire pleine d'humanisme et de compassion, mettez un pouce bleu. Si vous voulez apprendre des techniques de pro, je vous invite à consulter mon site sex-elite.com. Quant aux nouveaux et nouvelles, abonnez-vous à ma chaîne et bienvenue dans la Team Body Expert.